On va dire que Steven, il avait un karaté spectaculaire, qu'on peut dire un karaté champagne. T'as un karaté hyper spontané où ça part quand lui veut que ça parte. Il ne se contente pas de faire des choses simples, il tente. Forcément, il faut lui donner un cadre, mais il faut aussi laisser de place à son instinct de compétiteur. Toi, t'as bluffé tout le monde, t'as dit que t'avais un karaté champagne, mais c'est où? Il y a eu rien de hein champagne. C'était du champomie. Il y a des jours où ça passait pas et bah je lâchais l'affaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, Steven, il était dans le trou, il savait plus où il en était. Et l'ovation du public français dans les tribunes pour l'entrée de Steven Da Costa, le petit prince de karaté français. Certains, c'est des chiens, ils vont suivre. Alors que lui, c'est un loup. Fallait que je prouve que voilà, j'étais là. 2-3 défaites et il me croyait mort, mais je suis encore là.